port d'Abidjan et l'ensemble des acteurs portuaires n'ont pas été en reste dans les efforts consentis par tous dans le cadre de la lutte contre la pandémie à COVID-19. C'est dans la continuité de cet engagement citoyen que notre communauté remet ce jour entre les mains du ministre des Transports des dons d'une valeur de 278 307 500 francs, fruit de la contribution des uns et des autres, que je tiens au passage à saluer et à remercier pour avoir donné une suite favorable à la demande de contribution du président de la communauté portuaire que je suis. Mesdames et messieurs, merci pour cet acte de solidarité. Je voudrais, au nom de l'ensemble des récipiendaires, vous traduire notre reconnaissance pour la mobilisation et l'engagement de toute la communauté portuaire dans la lutte contre la pandémie à coronavirus à travers tous ces dons. Par ce don de grande portée sociale, vous contribuez à votre tour de façon significative à rallonger notre chaîne de solidarité au profit des malades, au profit des personnes rendues vulnérables et à la mise en œuvre du plan national de riposte. Merci pour votre générosité. Le gouvernement ivoirien, avec à sa tête son Excellence M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, ministre de la Défense, n'est pas sans savoir la conjoncture négative que vous avez eu à traverser, à l'instar de nombreux autres secteurs d'activité du pays, depuis l'avènement de cette crise. Cela n'a toutefois pas été un frein pour vous à manifester aujourd'hui ce grand élan de solidarité et d'entraide à l'attention de la nation tout entière, notamment en faveur des différents ministères ici présents. Le faisant, vous vous inscrivez résolument dans la dynamique de la solidarité entre les populations ivoiriennes prônée par le président Son Excellence M. Alassane Ouattara. Chers récipiendaires, nous savons compter sur votre professionnalisme et votre sens de la morale et de l'équité afin de faire bon usage de ces dons qui vous sont remis dans le but de venir en aide aux populations vivant en Côte d'Ivoire en vue de faire face à cette pandémie de la COVID-19. Enfin, sur le président de la communauté portuaire d'Abidjan, M. Yen Sié Yakouba, je tiens à vous féliciter pour votre implication véritable dans la gestion de cette crise sur la plateforme portuaire d'Abidjan.